Bonjour les Stampinettes. Nous allons voir quelles astuces utiliser pour réaliser cette carte. J'ai coupé un carré de 9 cm sur 9 cm dans du papier brune dune. C'est le nouveau nom utilisé pour le papier anciennement craft. Je décore le tour avec un tampon Veg Vintage en le tournant de part et d'autre. Ensuite, je passe à la crêpeuse un carré de 7 cm sur 7 cm couleur pépite de chocolat. Je colle ce carré au centre de mon carré brune dune. J'utilise maintenant la perforatrice pour carte extra grand dans un papier très vanille. Je la pose sur la table et j'appuie bien fort de façon à ce qu'elle me découpe une forme de trèfle et qu'elle effectue des pliures en carré au milieu. Je vais maintenant replier deux des pétales et cela va me donner une petite pochette en forme de cœur. Je prends maintenant le set de tampons Hôtesse Punch Potpourri et je prends bien sûr une forme cœur. Petite astuce pour que votre tampon adhère bien à votre bloc acrylique, vous posez le bloc par-dessus le tampon et vous appuyez bien fort. On encre et je l'imprime sur un papier Narcisse Délice. Dans le set de tampons Artistic Etchings, je prends le mot amour et je vais l'imprimer sur le cœur avec de l'encre Melon Mambo. Je coupe avec la perforatrice cœur et j'encre les bords en pépites de chocolat. J'enfile ce cœur dans ma petite pochette et je la colle sur mon papier passé à la crêpeuse. Dans du papier pépite de chocolat, je coupe un petit cœur. J'en coupe un également dans le papier melon mambo. Je colle directement le petit cœur marron. Pour le rose, je le perfore. J'imprime un petit tampon Love qui vient du set Teeny Tags. Puis, je le découpe avec la perforatrice adéquate. Je le perfore, j'enfile un fil de lin dans cette petite étiquette. Et aussi dans le cœur, je nous mets deux brins de fil de lin, je coupe l'excédent. Et je colle le petit cœur à côté du marron avec un stamping dimensional pour que la petite étiquette tienne bien. Je lui mets un petit point de colle à l'arrière. Et voilà, pour la convention, j'en avais réalisé 90 que vous apercevez dans le petit bac blanc du bas. À bientôt pour d'autres vidéos.